Wouhou! Enfin une victoire en Ligue 1! Ça fait du bien! Youpi! On a gagné! L'Olympique de Marseille se relance dans la course au podium! L'Olympique de Marseille se relance dans la course à l'Europe! Qu'est-ce que ça fait du bien de gagner! L'OM est sur une série incroyable de une victoire d'affilée en Ligue 1. Ça fait plaisir. Mais c'est grâce à Jean-Louis Gasset. Il est incroyable cet entraîneur. Jean-Louis Gasset, c'est le nouveau Alex Ferguson. J'ai pas peur de le dire. Avec Jean-Louis Gasset, je vais plus gasser de télé. C'est fini. C'est plus Jean-Louis Gassé, c'est sans lui, je suis agacé, les gars. Je suis agacé sans Jean-Louis Gassé. Mais là, il n'y a plus aucune raison. Enfin, un vrai entraîneur. Les joueurs, ils ont compris. Mouillez le maillot ou cassez-vous. Mouillez le maillot ou gassez-vous. Gassé, Jean-Louis, gassez-vous. Sur la vie de ma mère. Ils se sont enfin réveillés. Ça fait plaisir. Lyon qui gagne, Marseille qui gagne, c'est le mano à mano. Mais qu'est-ce qu'ils ont cru, Montpellier héros, Montpellier zéro. Ils repartent chez eux avec 0 points, ces clochards. Allez, cassez-vous en Ligue 2. L'OM envoie Montpellier en Ligue 2. Qu'est-ce que ça fait plaisir. Et en plus, la préfecture, ils ont interdit les supporters de Montpellier de déplacement. C'est dégueulasse. Les supporters de Montpellier, ils vont pas revoir le Vélodrome avant longtemps. Il fallait leur laisser un dernier match, les pauvres. On les a écrasés. Leur gardien Benjamin Lecomte. Benjamin fait les comptes. Allez, Benjamin Lecomte, compte. Compte le nombre de buts qu'on t'a mis. 1, 2, 3, 4, 5, 14. 14 à 1, on les a baisés, les gars. Incroyable, Ada, c'était une démonstration ce soir. Montpellier, on a battu Montpellier et Marseille monte d'un palier. Incroyable, grâce à Illiman Ndiaye Prime. Je sais pas ce qui me rend le plus heureux. Est-ce que c'est la victoire de l'OM? Est-ce que c'est la première victoire de l'OM en 2024? Ou alors c'est le premier but de Ndiaye au Vélodrome? Ça me fait plaisir. Illiman Ndiaye, ce soir c'était incroyable. Ndiaye le Sénégalais, le Sénégalise, il a égalisé, il a pris ses responsabilités. Parce que Ndiaye, peut-être qu'il a 22 ans, mais c'est comme Mbappé, moi tu me parles pas d'âge. Tu me parles pas d'âge, les gars! Il n'y a pas d'âge pour prendre ses responsabilités sur un terrain de foot. Regardez Bellingham, les gars. Regardez Bellingham. Incroyable, il a 14 ans et demi. Il tient le Real Madrid. Il porte le Real Madrid sur ses épaules. Et c'est pareil pour Ndiaye, la pépite marseillaise. On doit faire toute l'équipe autour de Ndiaye. On doit faire avec Ndiaye ce que Barcelone a fait avec Messi. Pour une fois qu'on a un joueur, une pépite. Et en plus de ça, un jeune, les gars. Voilà, on peut voir vers l'avenir. L'OM a un avenir, les gars. Le ciel est dégagé. Ça fait plaisir. Illiman Ndiaye, ce mec, retenez bien, les gars. Un jour, il sera Ballon d'Or. Moi, je vous le dis, Ndiaye, Ballon d'Or. Illiman Ndiaye élimine Ndiaye. Il a éliminé tout le monde. Il était de partout en défense, en attaque. Incroyable. Illiman Ndiaye peut s'asseoir à la table de Bellingham. Il peut s'asseoir à la table de Vinicius. Il peut s'asseoir à la table de Rodrigo. Il peut s'asseoir à la table de Mbappé. Il peut s'asseoir à la table de Musiala. Où là, tous les clubs, ils nous envient Ndiaye. Mais on ne le lâche pas. La clause libératoire pour Ndiaye, 150 millions d'euros. Et j'ai pas peur de le dire. Même potentiel que Neymar, il est trop fort. Oula, que si on aurait Ndiaye à
à ce niveau depuis le début de saison. L'OM jouerait le titre. L'OM serait au coude à coude avec le Paris Saint-Germain. Mais vaut mieux tard que jamais. Vaut mieux Dakar que jamais. C'était incroyable. Pourtant, il y avait des absents. Valentin Rongier, Jonathan Kloss. Les gars, les dirigeants de l'OM, ils ont la haine contre Jonathan Kloss. Est-ce qu'on peut dire que les dirigeants de l'OM, ils sont claustrophobes? Oula, les gars, pour le coup, c'est la vérité. Ils sont claustrophobes. Mais voilà Jean-Louis Gasset. Il a fait les bons choix coaching payant. Face au Shakhtar, il fait rentrer Ismaïl Assar, but. Là, il met titulaire Ndiaye, but, les gars. Dingue. Gattuso, il aurait laissé Ndiaye sur le banc. Et même s'il aurait fait jouer Gattuso Ndiaye, il aurait mis arrière-gauche. Il aurait mis gardien de but. Enfin, Ndiaye qui joue à son poste. Merci Jean-Louis Gasset. J'en avais assez, bordel de merde. Ndiaye qui a joué à son poste. Lui, c'est touche pas à mon poste, les gars. Incroyable, Ada. Mais il y a aussi Pierre-Emerick Aubameyang. Quand je pense que Gattuso l'a mis sur le banc pour son dernier match, c'est vraiment le dernier des entraîneurs, hein, moins que rien. Comment tu peux mettre le seul buteur de l'OM sur le banc? C'est incroyable. C'est comme si t'as un gardien dans l'équipe, tu prends un défenseur, tu lui mets des gangoles. Les gars, ça n'a pas de sens. Eh, hey, Gattuso, casse-toi. On t'a déjà oublié. Allez, Gattuso, démission. Avec Gasset, on est en mission. La mission, c'est les trois premières places. C'est l'Europa League. Parce que l'OM, ces 25 dernières années, on a perdu trois finales d'Europa League. L'OM en Europa League, c'est le Nigeria en Coupe d'Afrique. On a perdu autant de finales que le Nigeria. L'OM en Europa League, c'est l'Argentine en Copa América. On doit en perdre des finales avant d'en gagner une. Mais cette fois-ci, c'est la bonne. On ira au bout cette fois-ci, les gars. On ira au bout. C'était dingue, une masterclass. Aubameyang, Drogba, Meyang, même potentiel que Drogba. Je pensais qu'on n'allait jamais se remettre du départ de Sanchez, mais je l'ai déjà oublié, Sanchez avec Aubameyang, meilleur buteur de l'histoire en Europe. Après avoir conquéri l'Europe, il va marcher sur la France. J'avais peur qu'Aubameyang, il veut rejoindre son club Saint-Etienne en Ligue 2, j'avais peur les gars. Mais il est là, il répond présent, il avait dit Aubameyang, bougez-vous le cul. C'est la nouvelle devise de l'OM. Incroyable. Ils ont cru quoi avec leurs joueurs de merde? Oh, Montpellier, vous croyez que vous allez battre l'OM avec Ferry? Mais c'est Ferry. Oh là, ils me font rire ces Montpellieriens là. Oh, leurs joueurs là, par contre, il y en a un, il est bon, hein, leur joueur jordanien. Oh, c'est un génie, les gars. Lui, c'est pas Michael Jordan, c'est Michael Jordanien. Oh là, à Marseille, on a Jordan Veretout. À Montpellier, ils ont un Jordanien qui fait tout. C'est un truc de malade. Par contre, l'autre, la Savanier. Savanier, ce petit kebabier, Hollande, on dirait un petit kebabier, les gars. Vous avez vu ce qu'il a déclaré, Savanier, il y a 2-3 mois? Ouais, j'habite encore au quartier. Encore heureux, t'habites au quartier. Tu t'es pris pour Mbappé ou quoi? Oh là, le mec, on dirait c'est Mbappé qui décide d'habiter encore au quartier. Toi, t'es nul. T'es nul. Tu gagnes 1500 euros par mois. Personne te connaît, personne te calcule. Personne te reconnaît dans la rue, Savanier. Tu vois que le mec, il s'habille en Célio, c'est un putain de galérien. Oh les gars, Savanier, il touche les APL. Vous croyez qu'on allait perdre contre une équipe où les joueurs, ils touchent les APL? Oula, Savanier au quartier, les gardiens d'immeubles. Tu vas au quartier là-bas, c'est quoi leur quartier? Gilet, je sais pas quoi là. Tu vas dans son quartier, tu vois Savanier torse nu sur un cross en train de cabrer. Le mec, il est guetteur au quartier. Sale nul, Savanier. Oula, c'est comme si... Arrête de dire ça. Ouais, j'habite encore au quartier. Ouais, j'ai pas oublié d'où je viens. Encore heureux, sale nul, t'es nul. Tu crois que tu vas habiter où? À Saint-Tropez? Tu crois que tu vas habiter où? À Saint-Germain-des-Prés? Oula! Le mec, même si t'habites dans un camping, ça m'étonnerait pas. Je vous dis la vérité. Le mec, il est au RSA. Oula, il est gardien d'immeuble. Il vient s'inventer une vie. J'en suis sûr, il est en colocation avec Ferry. Oula, les gars. Incroyable, Ada. La victoire de Marseille, elle a fait trop plaisir, celle-là. Ndiaye Prime, les gars. La saison est lancée. Le petit Ndiaye, il était complexé, il était frustré. Il était pas bien. C'est pas facile, les gars. Venir à Marseille, c'est un choix difficile. Mais il a insisté pour venir. Lui-même, il a payé son billet de train. Il a débarqué à Saint-Charles. Mais sans Ndiaye, on chiale, on peut le dire.
toute l'équipe autour de Ndiaye, magnifique, Ndiaye, magnifique. Aubameyang, Obamaland, Ismaïl Assar, Ismaïl Brassard, comme Dogbia, c'est comme Pogba, les gars. Même potentiel que Pogba. Donc le pire est derrière nous, le meilleur est à venir. La fin de saison s'annonce incroyable. Et l'Olympique de Merveille est invaincu au stade Vélodrome. Maintenant, on attend le Paris Saint-Germain. On vous attend, bande de merde, on va vous bouffer. On va